Ma grand-mère a baissé les yeux, sans doute pour cacher ses larmes. J'ai senti alors de la honte. La honte qui sortait de tous les pores de sa peau. Elle transpirait la honte. Elle pleurait la honte, elle buait la honte. Je n'avais pas encore vu de mort. Et pourtant, j'étais certaine que l'odeur devait être la même. Thank you.
La norme qui fait mal. Et le mal qui fait norme. Normal. 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 J'ai accompagné mes paroles de cris, et c'est sans doute pour cela que la quasi-totalité du centre s'est regroupée devant mon bureau. Pensez donc, une curiosité avare, une chose pas dans la norme, une jeune technicienne qui osait donner de la voix et qui arrosait tout le monde sur son passage. Et la magie s'est opérée. Une solidarité s'est organisée autour de moi, avec ceux pour qui tout à coup je donnais corps au ressenti quotidien. Il s'est alors formé deux colonnes qui se sont affrontées dans une joute verbale, où il était question de ne pas me tenir plus longtemps la tête sous l'eau, et où il s'avouait des complots et des petites mesquineries.